T'en as marre d'utiliser des essuie-glaces? J'ai la solution pour toi. On va rendre ton pare-brise hydrophobe. Suis-moi, je te montre. Pour ça, tu auras besoin d'un IPA, un alcool isopropylique, que tu vas pulvériser directement sur le pare-brise. Tu viens pomper, il est neuf, et je vais te faire un 50-50 juste pour te montrer l'efficacité du produit. Une fois que tu as appliqué ton produit, tu viens dégraisser, enlever le surplus de produit sur ton pare-brise. Là, je mets mon doigt. Mes doigts collent, je viens d'en percer mes gants. Ensuite, on va utiliser ce traitement-là, le Glaco. C'est un produit extrêmement simple d'utilisation, c'est une pépite. Tu vas venir l'appliquer directement sur ton pare-brise, toujours face en l'air, faut pas que ça tombe sur la carrosserie. Tu viens faire des petits mouvements rotatifs, hop, t'y vas, ça te prend 30 secondes. On va faire juste une partie du pare-brise pour te montrer la démo. Comme tu peux le constater, c'est extrêmement efficace, extrêmement rapide. Une fois que ton produit va commencer à blanchir, c'est qu'il est en train de polymériser. Quand il est polymérisé, c'est qu'il est bon à essuyer. En quelques secondes, comme tu as pu le constater, ton pare-brise est déjà traité. Une fois que ton produit est blanchi, tu vas utiliser une première microfibre pour venir essuyer ton produit et dégrossir. Bien évidemment, toujours des microfibres de qualité sans couture. Tu viens poser et faire des petits mouvements circulaires. Regarde-moi cette rapidité d'essuyage, c'est incroyable. Tu retournes ta microfibre et tu viens essuyer encore le surplus. Ensuite, attends 4 heures avant de pouvoir mettre de l'eau. Donc là, pour les bienfaits de la vidéo, je vais pas attendre, on va voir si le produit est quand même efficace. Regarde-moi cette pépite, tu peux même sécher ton pare-brise à l'eau. Fini les essuie-glaces. Regarde-moi ce côté, c'est incroyable. On va passer de l'autre côté, je vais te montrer le résultat. Regarde-moi ça, l'eau ne s'évacue pas, elle reste complètement figée sur ton pare-brise. Le avant-après, il est impressionnant. Voilà, le test est terminé. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner et je te dis à bientôt.